Du coup, salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Stray. On est reparti avec le petit chat vagabond. Comment ça démarrer la partie? Ah. J'ai eu peur, j'étais comme... Continuez. Alors hier, quelque chose que j'avais fait en off, que du coup j'essaierai de vous mettre peut-être un petit extrait dans la VOD, mais que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'on a récupéré la troisième canette. La troisième canette, elle était cachée au-dessus de chez mamie. Elle était cachée... Genre par là, là, quelque part par là. Il me semble. Voilà, elle était cachée là, là, dans le distributeur qui est ici. Donc on avait un peu galéré, mais finalement on l'a trouvée. Oh la musique, j'adore la musique de ce jeu. Donc là, on doit pouvoir aller se récupérer notre bonus. À mon avis, ça va nous amener le dernier souvenir. Ah, j'ai pas assez. Ah merde, ça l'avait pas pris en compte. Bon, bah, je vais le refaire. Et ben voilà, comme ça, vous l'aurez vu. Il a trouvé toutes les partitions de musique. Oui, ça, on l'avait trouvé. Voilà, il nous manquait juste cette canette. Ça, ça fait mal. Oh! Faut que je le refasse. Voilà. Se rappeler, c'est ça. C'était le souvenir qui me manquait. C'est un des premiers modèles de compagnons. À l'époque, ils n'avaient aucune personnalité. Ils n'étaient que de simples agents d'entretien. Qui est fini par limiter les humains. Et selon moi, une bonne chose. C'est comme s'il leur avait manqué. Et d'une certaine façon, ils ont empêché leur extinction. Ce sont de bons robots. Putain, il me manque encore un souvenir, c'est pas vrai. Salut Néo! Salut Néo, comment vas-tu? Le nouvel alchimiste. Bien le bonsoir, bienvenue à tous les alchimistes. Comment ça va les amis? Vous étiez sur quoi de beau? Bon, alors, je te le dis, Néo, moi, je pense que demain, on va se prendre la... On va se prendre la live... La... Ouais, on va se prendre une match directement juste avant, là. Tu vois, je le vois venir. Attends, où est-ce qu'il pourrait aller, ce ballon? Si je le faisais tomber... Il pourrait aller... Salut, Marty le Juste! Bien le bonsoir, comment vas-tu? Non, t'as pas farmé, mais non, mais ne fais jamais ça, enfin.
Non, non, fallait... À mon avis, là... À mon avis, on va se la prendre, la live. Attendez. Je vais juste recharger le dernier point. Fait. Chaud pour demain, bien sûr. Toujours. On fait dans l'instantané par ici. Vous allez voir, ça va être cool. Alors. Ah merde! Attends, vas-y, fais voir si je fais ça. Non, reviens! Oh, je charge. Je veux y arriver avec cette babale. Salut Lumo, bien le bonsoir, comment vas-tu? Si retour au live, je suis tout nu. Ah mais c'est sûr, mais on va tous être à poil. C'est pour ça que ça sert à rien de farmer. Moi j'ai rien farmé, j'ai pas ouvert la live depuis un mois au moins. Ça fait rien! Super! Même pas un petit achievement, je suis déception. J'en ai que deux canettes. Je retourne chercher ma canette. On retourne chercher la canette et on est parti. Parti pour les égouts après. Il y a tellement des tendances de jeu, c'est trop cool. Jouer un chat, c'est trop bien. Ça a l'air excellent, les mouvements aussi ont l'air... On est aléatoire à la carnet Assassin's Creed, par contre, non. Non, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, attends. Ah oui, c'est bon, les souvenirs, on les a. Allez, go, on est parti! Momo t'attend sur son bateau. Tu peux y aller l'y retrouver. Mais tu as fait tout ce que tu voulais faire ici? Oui. Parce que... Je vais refermer la porte derrière toi. Je n'ai pas envie de laisser les Zurk entrer. Ah, c'est trop classe! Dommage que la musique soit arrêtée, par exemple. S'il n'y a pas un souvenir qui se cacherait par là.
Clairement non. Incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu du Defluxor. Avec ça, on va pouvoir trouver Sbaltazar. Allons-y. Non, j'avais pas trouvé le premier souvenir, il m'en manque un. Je pense que j'en ai... Il y en a un que j'ai perdu. Les Urks, ils sont un peu cons, hein, donc effectivement, ils mangent le métal, donc probablement qu'ils doivent manger les portes aussi, mais cet endroit donne la chair de poule. Mais en vrai, ils prennent ça pour des murs, peut-être. Moi, je trouve que c'est pas si déconnant. Salut Palmeza, comment vas-tu? Ah. Oh là là, il est pile en plein milieu de... Mais non! Non, 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 barrez-vous, barrez-vous! Ah là 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 là, cette manette! Ah, mais c'est pas vrai, sérieux. Ok, on va le faire. Je sais comment on va le faire, enfin. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Un peu bête, comme j'ai fait. On va faire ça. Est-ce qu'on peut remonter là-haut? On peut pas remonter là-haut. Et...
Et... ça a un petit côté Last of Us, un peu, ça. Non, justement, parce que si tu restes appuyé... si tu restes appuyé, ça surchauffe. Au moins, ça nage pas. N'étais jamais autant éloigné des taudis. Quand tu es à mes côtés, je n'ai même pas peur. C'est quoi l'histoire? C'est un chat intelligent? Pas du tout, c'est un chat qui était avec sa meute de chat à la surface et qui est tombé dans les bas-fonds de ce truc. Il a rencontré un petit robot qui lui permet de parler avec les autres robots. Ah, des bipites là-haut. L'histoire, c'est que les humains, apparemment, ont détruit la planète Terre à tel point que qu'ils ont dû se réfugier dans une espèce d'énorme cylindre en béton et en métal gigantesque dans lequel il y a eu la dernière ville. Et cette ville-là, elle a été scindée en deux, les bas-fonds et la ville haute, qui est la ville classe et riche. Et les humains ont créé une espèce de bestiole qui était capable de bouffer les déchets. Sauf que cette bestiole a muté jusqu'à probablement bouffer les humains. Et les humains ont créé les robots aussi pour les aider dans les tâches domestiques. Puis finalement, ben, les humains ont disparu. Et les robots sont tout ce qui reste avec les chats. Cette vieille machinerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. La bloquer. Je ne peux venir avec toi. Je continuerai à chercher une sortie. Quand tu trouveras Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Bah non, tu viens pas avec moi? Il doit y avoir un moyen, non? Il n'y a pas moyen. Ah, oh, je suis déception, je te mets bien, petit robot. C'est dégueulasse. Ils aiment pas cette lumière, mais ils aiment tout ce qui est... Mais... Bref.
Ça, ça va s'ouvrir, ça. On le fait en courant. On le fait en courant. Barrez-vous. Ah, il monte pas. Quand le mime, c'est ça, barrez-vous. Merde. Là, on se croirait dans le début de Destiny. Vous vous souvenez du tout début de Destiny, là? Tu démarres dans un truc comme ça avec un petit robot. Les égouts. Oui, je me rappelle maintenant. L'eau pure était rare. La ville était alimentée par une énorme machinerie qui creusait profondément dans la terre. Comme pour tout le reste, l'eau était rationnée afin que tout le monde en dispose quand même lors des périodes de sécheresse. Les scientifiques m'avaient montré un plan du réservoir d'eau. Il était énorme et aurait pu contenir un bâtiment tout entier. En effet, quand tu passes à travers le mur dans Destiny... Voilà, c'est ça. Le tout début, là, tu passais en travers du mur. Et tu te retrouvais face à une espèce d'énorme structure comme ça qui était trop classe. Non, ça passe pas. Lumière blanche, ils aiment pas. Lumière jaune ne leur fait pas peur. On peut descendre. Si on descend, est-ce qu'on peut remonter? Non, je crois pas. Merde! Elle est tombée, la viviette.
Elle est tombée. C'est très Last of Us, hein. T'es en train de me dire que on peut démonter ces... Fais voir. D'accord. Ok, je comprends mieux. On peut démonter les œufs en faisant ça. C'est bien que t'aies une batterie un peu plus vénère, toi. Hein. Ça ressemble un peu au Crab Head, ouais. Un peu, ouais. Ah bah ça se passe bien en fait. Ça c'est fait. Et la dernière, ici. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Il va y avoir la porte à ouvrir. Et mis à part ça... Là peut-être? On peut grimper là? Non, on peut pas grimper là. Là. Yeah!
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les yeux, ils sont dégueux, quoi. On peut rien leur faire. Non, on peut pas y aller. What the fuck, mais grave. Mais merde. Comme dans tous les jeux, au moment où tu commences à t'habituer au truc dégueu, il te met un truc encore plus dégueu. Refroidis, refroidis. J'avais pas vu qu'il y en avait là aussi. Parfait. Ça c'est clean. Je vois ça dans la vraie vie, j'y fous le feu. Mais grave! La première chose à laquelle tu penses, le feu quoi. Et ça, ça passe. Ah non, 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 il en restait une. Elles grossissent en plus hein, en se rapprochant de toi. Ah.
Parlons-nous de ce truc dégueulasse. Bon, on l'a eu. Et là-bas, c'est encore cracra. Et ici, ça va. Ou pas. Merde. Salut Starfighter, comment vas-tu? Ah, les yeux, ils sont fermés, là. C'est dégueulasse. Pourquoi ils sont fermés? Pourquoi ils sont morts, ceux-là? Salut Armades, comment vas-tu? Je t'avais pas dit bonjour, désolé. Cherche, hein. Cherche. Merde. Je check parce qu'à mon avis, ils vont tous éclore en même temps et ça va être la méga merde après. Donc, je préfère économiser un petit peu... si je peux me cleaner au moins tout ça avant. Voilà, comme ça, ça c'est clean. Au moins. Au moins, ça c'est clean. Ah, tous les yeux sont ouverts, ouais, c'est ça. Je le savais que les yeux allaient s'ouvrir en même temps. Bien. Ça me met pas bien les yeux. Ouais, non, c'est cracra. C'est bon, regarde, on est passé, on est passé.
Putain, il en reste. Allez. Oh, est-ce que t'es en train de me dire que je pourrais faire mes griffes sur leurs yeux? Ce serait dégueulasse, mais en même temps... Non, je peux pas, je peux pas. Mais grave! Attendez, on va faire. Je fais ça. C'est dégueulasse! Non. Tu vois, non. Non, 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 non. Non, ça, non. Au secours! Cours, petit chat! Barre-toi, barre-toi! Ah là 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 là, je les ai vus! Ah! Allez gauche, allez gauche, allez gauche. Allez, par là. Ah. Par là-dessous. Oh putain. Vite, 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 allez, cours. Il faisait noir, j'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Tu m'as sauvé. Merci, l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le defluxor est complètement détruit maintenant. On va avoir. On va devoir faire attention. Et merde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Subitiade. Salut, Pochicha. Merci beaucoup, bienvenue. Merci pour ton sub. Ah non, mais à chaque fois que le bruit de chat, là, il pop, ça me fout la trouille, quoi. Barre de rire. C'est pas bien, Barnabeu, de te moquer de moi comme ça. Yes! On est sorti de cet enfer. Venant des égouts, on n'avait pas vu, on n'en avait pas vu depuis des lustres. On n'avait pas vu l'un des nôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a contacté un peu plus tôt, petit extérioriste. Sbaltazar, l'extérioriste, t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Aladdin, eh bien. La fourmilière.
Waouh, mais putain, mais c'est trop classe. Attendez, il faut que je fasse un screen de ça, c'est trop beau. Le problème, c'est que... Hop. Attendez, je vais faire ça vite fait. Ça marche du coup. Non. Alors, ça n'a pas marché. Ah, c'est chiant. Alors attendez, je dois relancer le jeu. J'ai un petit souci avec le jeu. Voilà. Ce jeu est un peu chaboté en mode cyberpunk, quoi. Ouais, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça marche. Conseiller de jouer à la manette. Non, c'était pas ça. Comment ça, ça a balancé ça? Oh putain, je suis n'importe quoi, excusez. Voilà. Il existe encore, je me rappelle même plus qu'elle existait cette scène. J'essaie de faire un screenshot, mais le GeForce Experience a l'air d'avoir du mal. Je ferai des pauses comme ça de temps en temps. Il y a un certain succès, je vais galérer. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait des comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir. Il est rentré dans la machine. Mais je ne l'ai pas accompagné, il était seul. Que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué dans certaines années. Jusqu'à ce que un petit chat apparaisse. C'était ça, c'était moi, le scientifique, c'était moi. J'ai besoin d'une pause. J'étais humain, j'ai besoin d'une pause. Ok, donc il a sauvegardé sa mémoire, le scientifique, là-dedans. Dans ce petit robot. C'est trop classe. Pas tout de suite, je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Il est fatigué, chat, on dirait. C'est excellent. Il
Les mecs qui faisaient une partie supra sérieuse et tout, je viens de tout bousiller en l'espace de 2 secondes. Qu'ai-je oublié d'autre? Je dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Ah non, elle ne veut pas parler. C'est parfait, ça! Ça va être parfait pour la fin de cette première VOD, de ce quatrième épisode de VOD sur Stray. Du coup, les amis, Twitch, ne bougez pas, YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine VOD. Si jamais vous découvrez ma chaîne grâce à ça, n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch, n'hésitez pas aussi à faire un petit follow sur les chaînes YouTube secondaires et principales. Et puis, ben, à demain pour une nouvelle VOD. Des bisous, ciao.